La créature que j'ai rencontrée dans les vestiges brûlés des jardins ressemblait à un sombre. Elle a pu pénétrer mon esprit et en tirer le plus intime. Mais ce n'était qu'un enfant. Et je suis sûr qu'elle m'a reconnu. Et qu'elle a eu peur. Elle m'a aussi laissé KO un moment. Juste assez pour que je me fasse capturer. Herr Führer, ces prisonniers ont été capturés au jardin botanique. On pense qu'ils cherchaient quelque chose. Ces deux-là sont des rouges. Ils refusent de parler. Le troisième ressemble à un ranger de l'ordre. On a attrapé un mutant près d'eux, un monstre de la taille d'un enfant. Il a aussi été livré au Reich. Je verrai ça plus tard. Et celui-là? Mutation suspectée. Non, non, je suis normal. Vous voyez deux bras, deux jambes, 10 doigts. Vous comprenez pas? Je suis un citoyen de Hansa. La ferme! Vous n'êtes pas à Hansa. Vous êtes soupçonné de la distribution de gènes endommagés et ceci est votre procès. Si votre crâne a les bonnes proportions, vous pourrez partir. Sinon, vous êtes une abomination. C'est scientifique. C'est un scandale! Je vous ai dit de ne pas bouger! Alors? Voyons. 318 mm par... 302. Vérifions dans le tableau. Ah, félicitations! Vous êtes un mutant! Non! Non! Dans le vide ordure! Une petite question. C'était quoi ta mission dans les jardins? Va te faire foutre, sale facho! Je vais compter jusqu'à 3. 1. Gloire à la ligne rouge! 2. Vive le camarade Moskvin! 3. Pitié! Pitié! Je vais parler. Mais. Loin des autres, d'accord? Ils vont me tuer s'ils entendent. D'accord? Amenez celui-là à la deuxième unité. En général, le Reich ne se mêle pas des affaires de l'ordre. Mais voilà qu'on chope des rouges et un monstre. Tous dans le même panier. Ça me plaît pas. Alors parle ou je te mets une balle dans la tête. Tuez l'officier! Tue-toi! Tiens, prends le couteau. Garde-le. Alors, t'es de l'ordre de Sparte? Je suis de la ligne rouge. Nos supérieurs ne sont pas entrés mon terme. Mais bon, on s'en fout, peu importe. Entre soldats, on s'entraide. Allez. Je vois. Très bien. Génial. Un verrou télécommandé. Une chose est sûre. Notre seule chance de sortir de là vivant, c'est de s'entraider. Bon, alors... qu'est-ce qu'ils ont dit sur le vide ordure? Laisse-moi deviner. Il faut l'ouvrir. Intéressant, une poignée. Waouh, c'est de la magie. Allez, fichons le camp d'ici. Et après, on pourra partir chacun de notre côté. Ça marche. Allez hop, c'est parti. Eh punaise, le gars est chaud. Hein. Tête première. T'imagines, s'il y avait des pics tout en bas. En cas d'émeute ou d'évasion, il leur suffit d'ouvrir la valve et la prison se transforme en chambre à gaz géante. La vache, on peut dire que leurs prédécesseurs les inspirent. Hey, suis-moi. Chut, on ira dès que le monde charge sera parti. On y va. Bordel, c'est pas vrai. J'avais entendu dire qu'il y avait un camp de concentration ici. Mais le voir de mes propres yeux... saloperie. Il y a un tunnel de l'autre côté. Bon, je mène, et tu suis. Ok. Allez, fais pas de bruit, ou ils vont gazer tout le monde. Tiens... voyons un peu ça. On y va. Évite la lumière et reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure amie. Hop. Ok, c'est parfait. On dirait qu'on a réussi. Voyons voir. Alors... une grille. Hein? Ouais, merde, pas de chance.
ça bouge pas d'un poil. Ah bon ? Bon, on peut pas passer par ici, c'est certain. La moitié des lignes sont pétées. Bon, où est-ce qu'on va maintenant ? Et si... T'es sérieux ? Hey, bref, c'est pas grave. Aide-moi un peu, tu veux ? Ouais, ok. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Gugus là-bas ? Putain, j'ai bien pas un seul bruit, pas un seul POUM. Chut. Voyons voir. Bon, écoute. Dis-toi que t'es une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. Allons-y doucement. D'accord ? Tu peux que blesser les gens. On va sauver des vies innocentes en fusillant. Non, on va pas le fusiller. Merci, monsieur le soldat. Merci. Le Führer a dit que le fusil, c'est trop bien. Bouge ! Hein ? C'est à toi de bouger. Je peux pas me déplacer si toi tu te déplaces pas. Tu sais quoi ? Je suis pas tout à fait d'accord avec le Führer. Le Führer est infaillible. Bien sûr, mais un pendu, ça se vide les intestins, et après, faut les... Bon, tu prends celui de droite et moi celui de gauche. Je vais l'occuper et toi tu descends le tien. Verstehen ? Vas-y, mais pas de précipitation, pigé ? Ça marche. C'est parti ! J'ai une idée. On le bat à mort avec la peine. C'est efficace. Tu planes à 15 000 ou quoi ? Arrête de mater et passe à l'action. C'est dégueu aussi. Ouais. Au fait, le bonjour vous. Ça va bien ? Ça gaze ? Ça gaze les loulous ? Il le diffuse à la radio. Faudra juste mettre le son à ce... T'as entendu ? On dirait qu'un truc est... Hey ! Poum ! Dans ta gueule. Prisonnier 130, c'est toi qui as fait du bruit ? Non, c'est pas moi ! Je vous jure ! Et là ? T'en fais pas. D'accord. Regardez un peu ça. Prisonnier 60. Il est mort. J'ai eu peur qu'il balance tout. Vous m'entendez ? Ouais. Il y a un levier. Il libère l'échelle. J'aurais dû m'enfuir quand les fachos sont venus. Je vais tirer dessus. Descendez-en le plus possible. On est fichus de toute façon. Les chaînes. Psst, psst. Ouvrez les cellules, d'accord ? Les commandes sont là-haut, dans la salle de garde. Juste réussir à s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Enfin, si j'ai l'occasion, hein. Je vous garantirai. C'est bon, dévisse l'ampoule. Hop. Va de ce côté. Tu pourras peut-être monter. On se retrouve en haut. Hé, hey, Spartiate. Bonne chance. Ouais, à toi aussi. Allons-y. On va essayer de rester discret. Et je parle pas des rouges. Boum ! Il a failli se bêtiser. Bon, il va falloir trouver cette... Eh ben, jeune homme, je vois que vous n'êtes pas là pour chômer. Ouais. Mais essayez d'être plus discret. Hé, hey, mon gars, vous ne pas être puni à cause de vous. Cellules. Il y a un panneau dans la salle des gardes. Dans la salle des gardes. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder à cette putain de salle des gardes ? Bon, je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Je pense que c'est juste qu'un petit passage intermédiaire. Comment ça, tu l'as libéré ? T'es cinglé ou quoi ? Je sais pas. Je l'ai regardé. Et j'ai eu l'impression de voir mon fils. Et ce marchand de Hamza. Il arrêtait pas de me harceler pour que je rende la créature. Il disait que ça serait du gâchis de la battre, qui me plairait bien. Alors ben, moi j'ai... Autrement les balles. Ok, écoute, je suis prêt à partager. Ça fait trop pour moi tout seul. Mais n'en parle pas à l'Oberscharführer. J'ai pu me faire 200 balles. Je veux la moitié. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous faites par ici ? Eh ben, notre garde est terminée. Alors vous n'avez plus rien à faire ici. Retournez au campement. Oui, et Oberscharführer. Ouh, c'est beau ça. J'aime bien comme il prend les bords de ce
tuyau complètement rouillé. Normalement, c'est... Comment dire ? Ça coupe bien, généralement, les bords de ce genre de choses. De tuyaux. Tri. Hop. Hein ? Tiens, ça va bien, toi ? Ça va ? Ça va ? Boum. Bien. Peut-être pas que j'attire, parce que sinon... Hey, qu'est-ce qui se passe ? Merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. Bon, on a un autre côté, j'ai attiré ici, donc bon. Que ce soit là-bas ou ici, il va de toute façon terminer très mal. Boum. Allons-y. Là, faudra remettre le courant en fait. Vous êtes doué, mais faites attention. Si vous voit, on sera tous gazés. Ça marche. Faut juste que je repère les ennemis potentiels. Je les vois pas. Bizarre. Ouais. Non, il faut qu'ils ouvrent le sas de l'autre côté. Ce bouton sur le mur est un interphone. Vas-y. Ouais, je vais juste faire un petit truc. Allez, appuie. Non, deux secondes. C'est pas là. Non, 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 pas de panique. Appuie, on réfléchira plus tard. Ça, je vais juste prendre. Mais. Bordel de merde. Attendez, il faut remettre en marche le régénérateur, si j'ai bien compris. On est passé par là. Non, y a rien ici. Je vais quand même. En fait, j'essaie absolument de sauver ces. Ouvrez les cellules, d'accord. Les commandes sont là-haut, dans la salle de garde. S'il vous plaît. Salle de garde. Okay. Qu'est-ce que tu fiches encore là ? Bon bah apparemment salle de garde là-haut. Le seul moyen bah c'est d'appeler les gars. Merde, j'aurais dû. Ça passionne comme ça, bordel. C'est une blague ou quoi ? Allez, monte-toi. Fritz, c'est toi ? Bordel, j'ouvrirai pas la prochaine fois. C'est même pas marrant. T'as raison, on va jouer à cache-cache maintenant. Comme des gosses. Fritz ! Bon allez. Arrête tes conneries. Merde, c'est comment ? Merde, c'est RTF ou... Oh, et puis merde. Attendez. C'est vraiment con. Hein. Au moment où on doit passer l'action, bah... Tiens, j'ai léché le micro. Alors, recharger feu, arme 1, d'accord. Secondaire C, d'accord. Mais vu qu'en fait, il s'est déplacé jusqu'au bout. Les gars, comment c'est ? Allez ! Faites-nous sortir, libérez-nous ! Oui ! Il y a un panneau de commande là ! Vous pouvez ouvrir toutes les cellules ! Ferme, ferme, plus grand vie ici ! Pitié ! Je veux vivre, je veux vivre ! Allez, ferme le sas avant que les autres arrivent. Ouais, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle est sortie du bloc intérieur. La fête commence à peine, merde. Tiens, cool. Prends ça. Chouette montre. Ah, le petit indicateur bleu. S'allume quand t'es visible, hein. C'est bon. Il y a sûrement d'autres gardes plus loin. Mais ils pourront pas nous gazer. On va pouvoir se détendre. Ça marche. Passe par le bas, je prends le haut et je te couvre. Ouais. Là, c'est bon. On va essayer vraiment de libérer ces messieurs.
Et 1, 2, 3. Hop. Voilà, ça nous fait un petit quelque chose. C'est cool. Alors, attendez, on va aller justement essayer de sauver ces pauvres personnes qui sont dans des camps de concentration, là. Avance, avance. Quoi? Quoi? Donc là, il faudra juste que j'active une commande. Juste que je réfléchisse. Oh, c'était beau ça! Vous avez vu cette action? Ouais, ouais, votre rat, c'est mon cul et blablabla et... Voilà, hop, je les ai libérés. Ouais, bah attends 2 secondes, je récupère des munitions, c'est important. Ouais, mais je viens de les libérer, ça va être la merde. Donc vite, on se barre, parce que là, ça va être la zizanie. Les droits de l'homme.